Bonsoir à tous, soyez le bienvenu sur FM Télévision dans les cadres justement de cette grande édition d'information à la une de l'actualité, ouverture solennelle de travaux de la 8e édition du Salon de développement de villes et zones économiques. On vous donne les détails juste au début de ce journal. Et sachez que dans l'actualité, Juliette Sumino, la première ministre, promet de déposer dans les délais le budget 2025 à l'Assemblée nationale. Vous verrez tout cela en images. Avant de terminer tout naturellement avec Monde Sport, clôture de la trêve internationale avec les Léopards de l'RDC qui ont aligné 2 victoires en 2 sorties. Vous verrez évidemment tout cela en images à la fin de ce journal préparé par Don Benjamin, Enoch Mafouka et Junior Santos. Vous nous avez choisi et vous avez raison, c'est votre journal. Allez, merci de rester avec nous pour développer tous ces titres ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction de ce journal, le chef de l'État Félix-Antoine de Tshisekedi Tshilombo a procédé à l'ouverture solennelle de travaux de la 8e édition du Salon de développement des villes, des corridors, des développements et des zones économiques spéciales dénommées Expo Béton. Les thèmes choisis cette année est la révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. On voit tout cela en images et les explications d'Alain Goma. Regardez. Au cours d'une cérémonie organisée ce mardi dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture solennelle des travaux de la 8e édition du Salon de développement de villes, des corridors de développement et des zones économiques spécialisées dénommées Expo Béton. Prévu sur 2 sites cette année, Kinshasa puis Matadi, Expo Béton 2024 se veut un lieu de réflexion collective sur les thèmes révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Dans son allocution, le chef de l'État a fait savoir que Expo Béton 2024 est un événement d'importance stratégique en ce qu'il aborde des défis majeurs auxquels sont confrontés les centres urbains et particulièrement la ville de Kinshasa du fait d'une croissance rapide de la population. Le président de la République a affirmé que le gouvernement s'est engagé à apporter des réponses structurelles sur cette épineuse question. Félix-Antoine Tshisekedi signifie ce qui suit. Nous sommes conscients de l'urgence de la situation. J'ai été attentif aux recommandations de toutes les éditions précédentes. C'est ainsi que j'ai créé un ministère délégué à la politique de la ville et favorisé les partenariats publics-privés. Le chef de l'État est revenu sur la réalisation de son ambitieux programme de développement à la base, 145 territoires, considérés comme une des solutions de l'amélioration de la qualité de la vie dans le milieu urbain. Pour terminer, le président de la République a souligné « Le désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. » S'exprimant devant le chef de l'État ainsi que de nombreux décideurs et entrepreneurs, le sénateur Jean Bamanissa, promoteur de Expo Béton, a sollicité l'accompagnement du pouvoir public dans les investissements privés en milieu urbain. Voilà tout l'essentiel de cette ouverture des travaux de la 8e édition du Salon de développement de villes et zones économique dans un commentaire signé Alain Goma. J'ai également noté au début de ce journal, Judith Sumina promet de déposer dans les délais le projet budget 2025. Elle a fait savoir tout cela au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. J'ai cité le mardi 10 septembre dernier au cours d'un échange entre les deux personnalités qui a tourné essentiellement autour du processus budgétaire. Le budget des lois de finances exercice 2025, rappelons que cet échange est intervenu évidemment quelques jours avant la session de septembre qui sera purement budgétaire. Les deux chambres du Parlement reprennent le service lundi 16 septembre 2024
pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu ce mardi 10 septembre la première ministre, accompagnée du ministre de Finances et le vice-ministre du Budget. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi de finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif 2020 exercice 2024. À en croire la première ministre, rien ne peut empêcher le dépôt du projet du budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que le contraint temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposé au Parlement. La chef du gouvernement a rappelé que les trois projets de loi ont été validés lors de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 6 septembre. Notez que cette visite de la Première ministre s'inscrit dans le cadre de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives. Allez, on poursuit ce journal. Continuez de regarder sur notre chaîne YouTube si vous nous rejoignez. RDC Rwanda, dans ce journal, une nouvelle réunion autour du médiateur angolais João Lorenzo. C'est 14 septembre pour faire avancer justement le plan de neutralisation des FDLR, du retrait des RDF. Cette réunion ministérielle intervient après trois réunions précédentes qui n'ont pas porté de fruits. Car jusqu'à ce jour, le cessez de feu n'a pas toujours été respecté par les rebelles du M23 à Lingoma. La partie est de la République démocratique du Congo est déstabilisée par l'action de nombreux groupes armés, notamment le M23 qui occupe actuellement une grande partie de la province du Nord Kivu grâce à l'appui militaire du Rwanda. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un mois, les troupes rwandaises restent déployées sur le sol congolais et la paix est loin d'être rétablie. Pendant ce temps, la médiation angolaise pousse pour trouver un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle réunion ministérielle entre les parties congolaises et rwandaises est annoncée pour ce vendredi 14 septembre à Luanda. Cette nouvelle rencontre aura pour objectif de faire avancer le plan de neutralisation de rebelles FDLR et de retrait de troupes rwandaises du sol congolais. Le gouvernement congolais dit compter sur la sincérité de Kigali. Depuis quelques mois, Kinshasa et Kigali discutent autour du médiateur désigné par l'Union africaine, João Lorenzo, président angolais, d'une proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour les conflits à l'est de la RDC. La troisième réunion ministérielle entre les délégations rwandaises et congolaises s'est conclue à Luanda, en Angola, il y a quelques semaines. Organisée sous l'égide des autorités angolaises, cette rencontre visait à faire progresser le processus de paix en République démocratique du Congo, où l'armée congolaise est en confrontation avec le M23, un groupe rebelle soutenu par Kigali. Voilà tout de la prochaine réunion des médiations entre la RDC et le Rwanda. On va continuer à suivre évidemment de près cette situation. Santé à présent dans ce journal importe en RDC après les 100 000 lots de vaccins venus de la Belgique. C'est autour évidemment de Zia de doter la République démocratique du Congo d'un don de 50 000 doses pour lutter contre l'épidémie. Cela s'inscrit dans le cadre de ralentir la propagation du importe. Et une façon pour le GSA d'assister la République démocratique du Congo à faire face à l'épidémie. Un don de 50 000 vaccins contre la variole du singe, aussi appelé Mpox, en provenance des États-Unis d'Amérique, est arrivé ce mardi 10 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce est faite par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo via son compte X, anciennement appelé Twitter. D'après Lucie Tamelin, le soutien des États-Unis en faveur de la lutte contre les Mpox en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sanitaire de plusieurs décennies qui a vu les deux pays coopérer dans la lutte contre une série de maladies mortelles telles que la malaria, la tuberculose, le VIH et l'Ebola. Par la même occasion, elle a réaffirmé la détermination de son pays
à soutenir la RDC et à collaborer avec les partenaires internationaux pour mettre fin à l'épidémie actuelle et protéger la santé et la vie des habitants de la région. Et puis lutte contre l'épidémie d'importance en RDC, le gouvernement congolais a reçu un lot important de vaccins pour limiter le risque de propagation de cette épidémie. Les provinces les plus touchées sont priorisées, y compris la ville de Kinshasa, affirmation faite par les porte-parole du gouvernement. Patrick Mouya, j'ai cité sur le plateau de nos confrères de France 24, on l'écoute. Nous contrôlons la situation. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, nous avons une certaine expérience dans la gestion de l'épidémie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, de statistiques de 20 000 cas suspects, c'est parce que nous faisons la recherche active pour arriver à les identifier. D'ailleurs, dans le 20 000 cas suspects, 10 000 cas sont établis parce que dans le 20 000, on a compté toutes les maladies qui ressemblent. Vous pouvez avoir la varicelle, la rougeole. On les a mis tous dans le cas de 20 000. Mais lorsque les analyses des laboratoires sont terminées, il y avait à peu près 10 000 pour un taux de létalité de 3 %. Et aujourd'hui, il faut considérer que nous avons pas seulement des stocks de vaccins, mais nous avons aussi des stocks de médicaments qui nous permettent, en tout cas, de prendre en charge gratuitement tous ceux qui sont touchés par cette épidémie. Pour ce qui concerne la distribution de vaccins, mais il faut savoir que ça ne peut se faire sans une planification. Et tout à l'heure, donc j'ai discuté avec mon collègue de la santé, la planification est en cours. On va évidemment commencer par des zones à forte prévalence. Ici, il faut parler du Sud Kivu, de la province du Sankuru ou de l'Équateur. D'ici la fin septembre, au plus tard début octobre, ces vaccins pourront être distribués en attendant d'avoir un stock plus important de 3 millions de vaccins annoncés par le gouvernement. Voilà, tout l'essentiel de l'épidémie MPORS, voilà, qui continue évidemment à fierter plusieurs Congolais. Religion, avant d'être terminé avec le sport, le en général, le chef de la CRTABM poursuit sans relâche la sensibilisation sur le moratoire du ministre de la Justice concernant le bon fonctionnement des églises et associations sans but lucratif. Et pour ce lundi 9 septembre, son éminence Mengele s'est attiré l'attention des récalcitrants, évidemment, qui tardent encore à régulariser leur situation. C'était au cours d'une grande réunion tenue au temple des Sayo à Kasavubu. Reportage Fifi Kalumbwe, Teresa Thibault. Les décomptes a déjà commencé car les jours ne sont plus qu'à compter du bout des doigts pour la fin de l'ultimatum donné par le ministre de la Justice afin de réguler ces secteurs. À la CRTABM, les efforts fournis par son éminence l'ambassadeur Mengele Silubasa, chef suprême, président général et chef de la dite confession sur cette sensibilisation a produit des effets positifs car les représentants légaux, les chefs spirituels et tous les Ngunza se sont décidé en grande majorité de respecter la procédure de régulation des documents. Aux confessions religieuses, il y a des compromis. Il y a un mois pour étaler les documents de personnalité juridique. Il faut tout ça à moi. Non, il faut que nous soyons dans l'état laïque. Il faut que nous soyons dans l'état. Il y a des gens qui ont été compromis. Il y a des compromis qui ont été compromis. Il y a des gens qui ont été compromis. Il y a des gens qui ont moto nyoso nguta nyoso mama nyoso aya kwadere na kretsben pwete bazo kanga baitonga na yango esengelete fumu kimbangwa bikola kyango na minute 20 ans lobakete bangunza bakosangana bakosala mutsumoko. Ces pas franchis constituent pour les Ngunza et autres membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo une occasion pour valoriser la religion africaine et l'ingunzisme. Journée zalaki plénière monene oyo Bangunza yonso ya ville province ya Kinshasa et bakinaki na kokutana ana katikati no sika autour ya réunion ozaki présidé pa ina bango moko son éminence Mengele Silubasa ozali chef suprême et puis les représentants présentant les grands chefs de la confession ya Bangunza pour na kwa kolobela mambi matali na boite solo misala na biso Bangunza nyonso ya République démocratique du Congo ingeta vraiment ya kolobeza libo epona bande kona biso Bangunza bo bazali na bikuke Bangunza ya mpaso ezali kosala biso lelo vraiment Bangunza na kati na biso tolingi kibokonzi ya mingi or ke na ngonga o lolenge tozali bo Bangunza singli to bango tozali susu lolenge kani tozala kite banto ba ebanite aujourd'hui Bangunza tozali confession religieuse 9e confession religieuse comme tout d'autres confessions on voit les catholiques on voit les protestants tozomona les églises des réveils du Congo tout ça
Islam qui mbangiste l'élope bangunza tozali na ordonnance ezali signé pa ya tata mokambi ya école Félix Antoine Tshisekedi Chilombo to komi lokola confession religieuse to komi a mesure ya koloba pe kozwa ba décision. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Siloubassa, chef suprême, président général et chef de la CRIETBM, a sans embâche rappelé aux membres de sa confession le bien fondé de cette démarche du ministre de la Justice qui vise à ordonner le secteur religieux en République démocratique du Congo qui est rempli du désordre sur le plan organisationnel. L'État peut tout sabi. Tout il ne me la paie au l'État tindi biso biso to ya pour na kubunisa l'État. L'État lingi ordre ça. Pour ordre lingi asia. Pour mutu moko sa bima a fini sa tata pour tout vendre. A fini sa patrie pour nos pauvres. A fini sa fumukimba. A fini sa ya ya kimpa vita. À travers les différentes rencontres organisées à Kinshasa comme en province pour la cause, il est signalé que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo s'est organisée pour barrer la route aux infiltrés qui agissent au nom des Fumu Kimbangu alors qu'ils n'ont même pas un lien sur le plan spirituel, a conclu le numéro 1 de la CRIETBM. Allez, on va passer au sport pour la suite de ce journal. Que devons-nous retenir de la trêve internationale pour les léopards de la RDC? On rappelle qui ont battu d'abord la Guinée à Kinshasa avant leur belle victoire du côté de Dar es Salaam en Tanzanie contre l'Éthiopie. Retour en image sur cette belle victoire avec nos confrères du ministère des Sports. Après leur succès 1-0 contre la Guinée, cap vers la Tanzanie pour les léopards de la RDC. Dimanche 8 septembre à Dar es Salaam, les léopards vont prendre la direction du Benjamin Mkapa Stadium pour la seule séance d'entraînement du jour. Lundi 9 septembre, la République démocratique du Congo sera reçue par l'Éthiopie qui a choisi la Tanzanie pour ses matchs à domicile à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires à la CAN 2025. Pour pousser l'équipe à la victoire, une forte délégation est venue de Kinshasa et une autre de Lubumbashi pour soutenir les léopards, tous vêtus aux couleurs du drapeau congolais. Les premières minutes et les premières intentions sont éthiopiennes. Après un quart d'heure de faux rythme, la délivrance survient sur cette reprise de Théo Bongonda à la réception d'un centre millimétré de Joris Kaembe. On joue la 62e minute de jeu. Pour la RDC. Qui souffrait depuis le début par un manque terrible. Les hommes de Sébastien de Sabre poursuivent sur cette même lancée pour enfoncer le clou dans le dernier quart d'heure. Fiston Maele, sorti du banc. 7 minutes plus tôt, l'ex-attaquant de Young Africans va marquer de la tête. 2-0 pour la RDC, au grand bonheur du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou, qui a fait le déplacement de Dar es Salaam. Avec cette victoire, la RDC occupe la première place de son groupe H avec 6 réalisations suivies de la Tanzanie qui a battu à son tour la Guinée Conakry. Allez, on va écouter le premier buteur de la rencontre, Théo Bongonda, qui a reconnu tout de même que ce n'était pas un match facile. Plaisir, on est premier du groupe, maintenant il reste je crois 4 matchs, donc on va continuer comme ça. Les premières 45 minutes, mais après on s'est remobilisé et on a gagné ce match, donc voilà, on est content d'être en. C'est différent, mais pour moi c'est normal, on a des bonnes qualités. Ça n'a pas été un match facile, mais on l'a gagné, je pense que c'est ça. Théo Bongonda, milieu du terrain de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est des prochaines sorties, la RDC jouera la Tanzanie en octobre prochain. Voilà tout ce qu'on peut vous dire dans l'essentiel d'actualité sur FM Télévision. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Mais il reste à continuer sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.